Ah, tu es déjà là. Excuse-moi, je suis en retard. Il me manquait du bois pour fabriquer des jouets. Alors, je suis allé en chercher dans la forêt. J'en ai profité pour passer dire bonjour à mes amis les animaux. Si tu savais comme ils sont bavards. Surtout les pies. Et dire que c'est bientôt Noël. Que le temps passe vite. Si je veux que tous mes jouets soient prêts pour Noël, il ne faut pas que je me laisse aller. Tu te rends compte? Je n'ai qu'un an pour fabriquer tous ces jouets. Il faudrait que j'aille un peu plus vite. Mais je me fais vieux. Et à mon âge, on se fatigue vite. Allez, allez. Assez discuté. Un peu de courage. Voyons un peu cette lettre. Là là. Cher Père Noël, je prends ma plus belle plume pour te rappeler que je t'ai commandé un vélo en bois. Un vélo en bois? Ah oui, le petit vélo en bois. Je l'ai presque terminé. Je l'avais oublié. Mais où est-ce que je l'ai mis? Ah, ça y est. Un petit coup de tournevis et c'est fini. À propos, tu sais que j'ai commencé à travailler sur tes jouets, hein? Ah, mais je ne te montrerai rien. Et c'est une surprise. Oh, toi, tu es bien curieux, hein? Si, 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 ça se voit dans tes yeux. Tu aimerais en savoir davantage? Eh non! Eh non, je ne te montrerai rien. C'est une surprise. Et je resterai muet comme une carpe. Tu verras tes jouets à Noël, comme tous les autres enfants. Mais avant tout, il faudra que tu sois sage et patient. Je peux simplement te dire qu'ils seront très beaux. Tu seras très content quand tu les verras. Ouh, mais il se fait tard. Il est d'aller sagement dans ton lit. Allez, au dodo. Bonne nuit. À demain. Faites beau rêve.